Salam alaikum les gens. Bonsoir mes abonnés. On va partir maintenant pour l'épisode 2. Ça veut dire la suite mes abonnés. L'épisode 2, on va parler pour le Hijra de Imam Mahdi Maghrébin. Parce que pour l'épisode 1, j'ai déjà parlé avec vous, ça veut dire quoi le Hijra, hein? Ça veut dire quoi le Hijra? Et maintenant on va parler spécial pour l'épisode 2. Pour la hijra de Imam Mahdi Maghreba, mes abonnés. L'Imam Mahdi Maghreba, mes abonnés, pour lui, il y a une grande histoire pour la hijra de lui, mes abonnés. Parce que la hijra de lui, mes abonnés, de l'Imam Mahdi Maghreba, c'est une histoire chaude. Pour la hijra de lui, il y a déjà beaucoup de tentations. Il y a déjà beaucoup de choses pour lui. Pour la hijra de lui. Lui, comment il commence mes abonnés? Lui, pour le début, l'imam Mahdi Maghreba, c'est une personne, il fait pas la prière. Il fait pas le déjeuner, sa vie dans le ramadan. Mais, c'est incroyable. C'est, pour le cœur, ils savent qu'il y a un Dieu. Pour le cœur, ils savent qu'il y a un juge. Hein? Pour le cœur, ils savent, il y a le paradis et les enfers. Hein? Mais c'est une personne, il ne fait pas le ramadan, il ne fait pas la prière. Après, pour la fin, ça va être un peu chaud pour vous voir ça, un truc. Et oui, pour le début, mes abonnés, l'imam Mahdi Maghreba, le hijra de l'imam Mahdi Maghreba, ça veut dire le voyage. Pour le début, ils ne savent pas il est guidé. Ils ne savent pas si Dieu va guider lui. Hein? Lui, comme on dit pour l'imam Mahdi Maghreba, le hijra de lui, comme ils savent pour le début, il est perdu. Ils ne savent pas comment il va faire. Hein? Un jour, ils savent le pied de lui, il n'est pas dans lui en place. Il n'est pas dans lui en place, parce que c'est un maghrébin, il habite au Maghreb. Le pied de lui, il n'est pas dans lui en place. Hein? Il n'est pas dans lui en travail. Parce que l'imam Mahdi Maghrébin, il a déjà beaucoup de diplômes, mes abonnés. Beaucoup de diplômes, il est déjà commandé, il a déjà fait des choses pour chercher du travail. Mais pour lui, toutes les portes sont déjà fermées. On sait au Maghreb, mes abonnés, tout fermé, ça veut dire ça passe pas. Hein? Après lui, l'imam Mahdi Maghreba, le hijra de lui, il commence. Il pense quoi, mes abonnés? Il déjà pense un truc, j'ai fait le hijra. J'ai fait le hijra, ça veut dire j'ai fait le voyage. Ça veut dire j'ai traversé la mer, le ciel. C'est ça, mes abonnés. Après, ils savent, il y a une chose qui le bloque, il manque de lui, il n'est pas à l'aise. Tout le temps, il est triste, comme on dit mes abonnés. Tout le temps, il est triste. Tout le temps, il regarde, tout le temps, tous les jours, la même chose pour le pied de lui. Tout le temps, les mêmes personnes, tout le temps, les mêmes activités, ça veut dire tout le temps, les mêmes travaux de les autres, tout le temps, regarde les autres. Après voilà, c'est bon, déjà réfléchis, j'ai fait le hijra. Ça veut dire que j'ai fait le voyage, je ne reste pas ici. Après il pense, il dit, je quitte mon pays. Parce que la lumière de Dieu, je ne trouve pas ici. Après l'imam Mahdi, maghrébin, le hijra de lui. Après il ne pense pas, parce qu'il dit pour le début, je ne fais pas la prière. J'ai fait pas le ramadan. Dieu va pas guider moi. Va pas guider moi. Après l'imam Mahdi, maghrébin, c'est parti pour le voyage de lui. Il part pour un autre pays, mes abonnés. Il part pour un autre pays, ils savent pas, il va faire quoi, il connaît personne, rien du tout. Et lui, il commence à traverser, ça veut dire qu'il commence à marcher, pour chercher la lumière de Dieu, mes abonnés. Pour le chemin de lui, il déjà croise beaucoup de personnes.
et déjà beaucoup tentations pour le chemin de lui. La drogue, des beaucoup de choses. On savait, tentation, on savait, on dit tout, pour la tentation, il y a tout. Lui, pour le truc, c'est quoi? Pour trouver la lumière de Dieu. Après, il déjà croise beaucoup de personnes, mais ils ne sont pas bien, ils ne sont pas à l'aise. C'est comme ça, la chose, elle n'est pas trop. Il a déjà traversé des pays, mes abonnés, des villes, mes abonnés. Après, aussi là, ils ne savent pas, Dieu est guide, lui, ils ne savent pas. Pour ça, le moment encore, ils ne savent pas. Comme déjà mes abonnés, j'ai déjà parlé avec vous. La pèlerinage, ça veut dire le hijra, mes abonnés. La pèlerinage aujourd'hui, tout le monde, il dit la hijra, ça veut dire la pèlerinage, ça veut dire faire la pèlerinage. La pèlerinage, non, mais la vraie pèlerinage, c'est le hijra, mes abonnés. Ça veut dire la pèlerinage, ça veut dire chercher la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, ça veut dire chercher le truc tu as besoin. Le truc, il y a un truc pour toi, tu as besoin, trouve. Trouve pas pour le propre pays de toi, va trouver toi pour d'autres pays. D'autres pays, ça dépend quel pays. Et comment se fait le hijra, mes abonnés? Comment se fait le hijra? Comment se traverse des villes, des pays, des villes, des pays? Après lui, il est arrivé pour un pays. Il est arrivé pour un pays, mes abonnés. Après, voilà, après, il commence encore, cherche la lumière de Dieu. Pour les femmes, mes abonnés, il trouve la lumière de lui, mes abonnés. De tout, il déjà croise des gens, des croise des tentations, des choses, on ne parle même pas ça. On sait ça, les choses, c'est pas pour le chemin de Dieu. L'imam Mahdi, il tombe avec qui, mes abonnés? Il tombe avec quelle famille? Avec la famille sainte, mes abonnés. Il n'attend pas ça, mes abonnés. Il tombe, il croise pour le chemin de lui la famille sainte, mes abonnés. Al-Bayt. De à l'époque, Fatima Zahra, mes abonnés, la famille sainte en général, mes abonnés. Après, ils savent un truc, après une fois, croise pour le chemin de lui et la famille sainte, le cœur de lui. C'est comme pour le cœur de lui, sans, j'ai trop la lumière de moi. Parce qu'on sait pour la lumière de la famille sainte, c'est la lumière de Dieu. Après voilà, après ils savent, le hijra de lui, il va arrêter ici, mes abonnés. Après, ils déjà savent. Savent quoi? C'est bon. Ils trouvent la lumière de lui. C'est ça, mes abonnés. L'imam Mahdi Maghreba, le hijra de lui. Après, il déjà termine à arrêter avec la famille sainte. Après la famille sainte, mes abonnés, il déjà explique pour lui. C'est Dieu qui est déjà guide toi. C'est Dieu qui est déjà guide toi. C'est ça, mes abonnés, j'explique pour vous. Après, voilà. Le travail de lui, après, ça commence. Spirituellement. Le travail de lui, après, ils savent si lui, c'est une personne importante pour le Maghreb. Après, ils savent si lui, l'imam Mahdi Maghreba, le roi de Maghreb, mes abonnés. Le guide suprême des Maghrébins. C'est ça, mes abonnés. Maintenant, j'ai arrêté avec vous ici. Voilà. Pour un nouveau vidéo, Inch'Allah, bihaoulillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam alaikum, mes abonnés.